Wesh la famille, ça va ou quoi? Eh, en fait, depuis tout à l'heure, en fait j'avais pensé à tous les détails sauf un truc, c'est le casque d'Amine. En fait on en a un, mais quand je le branche, ça me désactive celui-là, et depuis tout à l'heure je suis en train de régler ça, j'y arrive pas. On va faire le live, Zermay, y'a que toi qui vas prendre du plaisir. Non, je vais passer le casque à un moment. Attends, est-ce qu'on peut l'ouvrir assez grand? Et non, si on veut un casque pour deux, faut que porte le casque. La tête... Non, regarde. Ah si, frère. Mais comment ça, le tordre? C'est comme ça. Attends, attends. Non, attends, la tête... La tête... Oh. Mais wesh. Mais fais gros. Oh là, excuse-moi. Je suis con, je suis con. Ça m'a mis une gifle, t'es allé fou. Oh, j'ai l'arbre aussi. Je me fais éteindre par un casque. Oh là, désolé frérot, je viens de me faire éteindre par un casque. La famille, le programme de ce soir, on a un jeu horreur d'une heure à faire avec Amine. C'est un bête de jeu. On avait déjà fait un jeu du même créateur ensemble. C'était, je sais pas si vous vous rappelez, on était dans un Starbucks et fallait faire des macchiato caramel, tout ça là. Voilà, du coup c'est du même auteur et c'est totalement un autre jeu. Vas-y, on lance le jeu. Le jeu s'appelle Night Security, la sécurité de la nuit. Merci frérot. Mais attends, c'est quoi le concept? Du jeu? Voilà, je sais pas. Ok. Ok, des Lego. Wouhou! Non, là on voit vraiment bien. Happy birthday, Chillers Calendar. Attends, 23-10. 23-10, c'est okay, le 23 10. Octobre. Oh, un gâteau. Tu sais lire? Quoi, je... non, parce que... J'ai failli lire, mais ça aurait été forcément raciste. Oh, par contre, les toilettes qui te mettent le jet d'eau dans le cul, je te jure, c'est de la faute. T'as déjà testé? Bah ouais, mais sans faire exprès, t'inquiète. Non, mais toi, t'avais même pas envie de chier, t'avais même pas envie de pisser, tu allais juste pour prendre le jet d'eau. Bah, au pire, ça me nettoie quand même. Ouais. Cadavre là. Oh, j'ai eu peur. C'est ma femme. Allez, debout la grognasse. C'est comme ça que tu parles? Pardon. Franchement. Hein? Ah ouais, on s'habille pour aller au travail. Et gros, là je pense tu fais exploser du C4, elle se réveille pas. Sa chambre, hein, passe. C'est bizarre, on dirait on est un voyeur. C'est bizarre. Je suis même pas sorti dehors. To-do list, vérifier les alarmes d'incendie au fond des salles et verrouiller les portes. Éteindre les lumières dans les salles de bain. Si des personnes sont encore présentes, renvoyez-les chez eux. Je dirais que quelques personnes sont encore là. Pour l'instant, je devrais faire le tour et verrouiller les portes en commençant par le premier étage. Ok, je peux pas aller dans le couloir. Masterclass ce jeu. Ok, merci Avi, mais on t'a pas demandé ton avis. Il s'appelle Avi? Ouais. T'as capté ou pas le... En fait, je vois pas dans quelles circonstances là on peut avoir peur. Franchement, même moi. J'espère que c'est pas... C'était quoi ça? C'est quoi? Là à gauche? Non. Ah non, c'est une chaise. Non, je te jure, j'ai cru que j'avais vu quelque chose. Oh, faut le renvoyer chez lui. Il boit un caca. Monsieur? Ah ouais? Oh, tu es gardien de sécurité. Je suppose que j'ai un peu près le reste à mes supports d'eau. A bientôt. Ouais, rentre chez toi. Jury, suis-le. Surveille qu'il parte bien. Il veut pas qu'on le suive, il est malin. Oh, il y a quelque chose. Oh! Hein? C'est quoi cette tenue? Ah, c'est un voile! Ah non, c'est des cheveux. Mais j'avoue que c'est posé. Là, comme ça, c'est posé bizarrement. Qu'est-ce que c'est? Mais comment des cheveux ils peuvent te tomber ici? Mais comme pourquoi des... Pourquoi une tête à avoir une voix bizarre? Échangeons de coordonnées. Wesh, elle a la dalle. Je ne peux pas partir si vous ne donnez pas vos coordonnées. Oh là. Je vous promets que vous le regretterez. Oh. Et vous feriez mieux de ne pas m'y aller. Oh, la harceleuse. Je suis sûr que c'est elle qui va vouloir nous tuer. Dans... Allez, casse-toi. Tu penses qu'il y en a d'autres? À cet étage, je pense pas. Attends, ça j'ai déjà vu. Faut verrouiller les portes. Tous les étages, ils se ressemblent. Oh, oh lolo. Quoi? Qui? Qu'est-ce que tu veux? Oh, la gentille sécurité. Pourriez-vous laisser les lumières allumées? Je les éteindrai. Éteins ça. Ouais. Je peux pas. Ah merde, dommage. Oh, c'est agile. Et oh, tiens. Bah, ouais.
Ok, ça commence à partir en couille. Ah ouais, là, vraiment. Non mais... Non mais Haja, en tout cas. Ok, j'ai capté le sujet du jeu, en fait. C'est l'harcèlement au travail. Et nous, pourquoi il va nous arriver un truc? On a harcelé qui? Bah, je pense qu'on va... On est juste un pauvre gardien qui ont... Wow. On va faire par qui là-dessus? Mais attends, mais elle, tu l'as... Tout de suite, là. Tout de suite. Ah, c'est la personne... J'ai dit... Oh, non. Merde. Mais il chie dans deux étages à la fois, c'est... Je comprends pas. C'est un malade, il est à l'étage d'en dessous, normalement. Oh, le mec a toussé. Dans les toilettes, y'a le mec dans les toilettes. C'est une bite de merde qui tombe. Oula. Dis-moi que c'est pas lui qui a lâché ce truc. J'ai chié du métal. Je commence à stresser de... Oula. Oh putain! Nique lui sa grand-mère. Et il a l'air de faire 2 mètres. Allez, on éteint les lumières comme pour tout le monde. Ah, me dis pas, y'a le mec qui chie encore. Attends, mais me dis pas que le mec que tu viens de voir, c'est lui qui chie à tous les étages. Je pense qu'il l'a mal pris. Ah, c'est une salle de serveur, je travaillais dans ça avant. Oh putain. Ah, faut que tu le remplaces avec ça, ok. Trop bien. Allez, fais ça bien. On, étage, on peut y aller. Oh. C'est pas la meuf qui nous a dit on devrait se parler. Tu me plais bien, toi. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Wow. Oh putain, cet étage, il fait ce qu'il fait. Wow. Lui, il manque un fusible. Bon. Ah bah c'est bon, on a un fusible, mais on a traversé un truc de sang, tout est normal là. Le gardien dans sa tête il se dit pas y'a un souci. Frérot, moi je vois un truc de sang comme ça, je me casse du bâtiment. Ouais mais... Ah, ça, en fait, on se... Wow. On se fait pas courser, je pensais qu'on allait se faire courser, mais ça va. Je me suis tordu le poignet quand même. C'est la meuf, t'as les photocopies. Mais tu m'as fait plus peur qu'elle. Voilà, tu m'as fait plus peur qu'elle. En fait, vu que c'est moi qui joue, ça m'a fait peur de tourner ma souris, de voir ça là. Je me suis fait une clé de bras carrément. Te voilà, les lumières ne sont pas encore allumées. Alors, peux-tu activer les 4 des disjoncteurs? Moi, je pars. Bonne chance avec ton travail. C'est toi qui disjonctais. Hein? Voilà, c'est pas une manière de travailler. Ça. En vrai, travailler de nuit, c'est dur parce que... C'est... Petit ami, t'as gentil sécurité, n'est-ce pas? Ah ouais. Tout beau, alors je l'ai. Je sortirai pas avec elle avant. De toute façon, elle n'était pas à la hauteur. Elle parle de ma femme, là. Je suis plus charmante, c'était donc inévitable, n'est-ce pas? Très diable. Les femmes sont plus... On est à quel étage, nous? Ah, c'était quoi ce bruit crumble? Ah. Oh non, elle est devant notre pièce. Je te jure, elle fait 2 mètres, Amine. En plus, elle a fait un brushing. Ah non, elle s'est fait trop belle. Je te jure, t'es obligé de sortir. Elle est trop fraîche, là. Ça. Elle est trop fraîche, t'es obligé c'est de sortir. C'est une dinguerie si je dis débat parallèle alors qu'on voit vraiment que ça, là. Regarde le petit film avant. Putain, avant de sortir la photo. On va voir un mec dire ouais, tu finis à 17h. Ouais, moi 18. Apporte-moi un café, s'il te plaît. Apporte-moi un café. Ouais, je prends un bain. Nous avons de la chance. Grâce à. Pourquoi Dieu s'est censuré? Oh oh. Sa attends, montre les traces de. Elle marche en moonwalk ou quoi? Putain, fait du 47. Peut-être c'est le dernier étage.
Parce que là, c'est déjà trop parti en couille. Franchement, ça me donne envie de faire ce taf carrément. Enfin, non, c'est que dans le jeu, il se passerait des trucs. Wouah, elle a chié partout. C'est l'Undertaker, c'est quoi ça? Wouah, la dame de ménage, la pauvre. Par lui. Ah, les barbes. Ah, les barbes. Mais pourquoi la dame de ménage, elle a appuyé en dame de la cantine? Mais. Pourquoi elle a un durac? Je sais pas. Mais c'est le bordel, temps, cet étage. C'est quoi cette machine pour acheter des tickets de métro? Non, c'est pour. Tu sais, une machine où tu t'achètes de l'argent. Si tu vas acheter 900 euros, 900 yens, tu t'achètes 900 yens. Pourquoi t'as. Oh, fais quoi? Imagine après son balai, elle dit Bankai. Elle a la même tenue que Zaraki Kenpachi. Mais je pense que c'est pas du sens, je pense qu'elle a vraiment yesh partout dans le corps. C'est tout, l'étage il est fini. Je suis sûr que dans l'ascenseur elle va courir vers un. Elle n'a pas après. Elle a la flemme. Ah vas-y frère, on est dans une cave à Sevran. Frère là ils abusent. Il comment tu peux monter? Normalement encore c'est un sous-sol, ok. Mais à ça t'as les scènes de crime. C'est... Wow. Un singe. Ok on va aller parler. Singe. Oh là. Wow. Il va rien faire. Ouais tu vas rien faire. Regarde. Les yeux ils suivent. T'as vu? Ouais, mais il va faire quoi? Rien. Non. Avec son putain de merde. Rempli de caca. Je te jure qu'il est rempli de merde. Oh mais c'est qui? Oh non, lui il fait peur de. Dirais toi un peu. Toi, X Michael Jackson. Oh, c'est une dingue. Oh putain! Wow! C'est des fous eux! Ils ont fait une descente! Ah ça va. En fait, j'avais juste peur que quelqu'un court vers l'ascenseur. À tous les étages, j'ai peur de ça, mais là, c'est pas passé. Akakunak! Cet étage, il me fout la flemme de le faire, il y a trop de portes. Bon, allez, on va commencer par les chiottes. C'est pas de ma faute si je n'ai rien pu faire. Parce qu'ils sont morts. Tout le monde a disparu à cause d'eux. Je n'ai rien fait de mal. Tout est de leur faute. Il se passe quoi? Ah là, là il a ouvert, elle a ouvert la porte des chiottes, elle est en vie. Ah bon? C'est quoi cette... Why? Mais gros! Ok. Le jeu il commence à. Mais pourquoi elle a tamponné la porte comme une envie? C'est quoi? Je crois le prochain étage on est cuit frère. Il nous reste que deux étages. Ok. Ok. Oh c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain, je suis pas sûr. Oh. C'est... Oh y'a le trou du cul, il est pas parti, il veut que taffer, mais arrête de travailler. Si il dormait justement. Ouais. Ouais. Merde, je me sens endormi. Tu étais là pendant tout ce temps. Peu importe, c'est tout, je te comprends pas trop. Ce maudit harceleur du pouvoir a dit qu'il ne quitterait pas avant que tous les autres partiraient. Je m'en vais aussi. La teps. Je sais pas. Et la teps là. Là on ouvre, là, qu'on surpaye. Mais là, tu me prends la paye du siècle. Ok. Mec, il a une gastro. Jeff! Ah, si c'est. Ah, j'avoue, y'a pas eu de. Tout... Ouais. Je dirais que les chanteurs de cet étage ne fonctionnent pas. C'est par la sortie de secours. Oh, oh merde. Oh. Oh non. Personne lit le japonais dans le chat? Il y a peut-être écrit. Oh, oh! Ok, trop bien, on peut aller voir à la porte et sortir. Oh, d'accord, c'est bon. Ah ça pue sa mère. Ah je suis obligé de passer, je fais quoi, je passe? Wesh. Mais on voit ça pas sa bouche. Vas-y affronte là, c'est pas cool. Ah elle a peur de nous. Allez. Allez casse-toi. Je vais prendre la sortie de secours et tu vas rien faire.
Wow! Des chaises stalactites. Attends. Oh, c'est le dernier étage. Allez, on est prêt. Franchement, je serais content à la fin du jeu, on rentre à la maison tranquillement. Ok, dernier étage. Allez. Ah! Là, ça monte pas, ça descend. Wesh! Putain, nous emmène en enfer. Je te jure, ça m'arrive, je fais un trou dedans et je monte en grimpant la corde. Arrête de mentir, t'as pas vu comment c'est descendu, tu peux pas physiquement, c'est impossible. C'est qui? Ah, c'est la meuf. Je t'ai dit, elle marchait en moonwalk. Mais elle est venue nous en rôter dessus. Mais c'est quoi ce jeu de fou là? L'autichi, après le mec qui vient, le salarié, on l'entend péter, et il y a un monstre qui nous rôte dessus. C'est... Putain, le boss de merde. Allez, vas-y, mets-nous à l'enregistrement. Pas de câble. Ah ouais. Tiens, chercher un câble. Oh non, dans le code. Je suis sûr que c'est écrit sur un des tableaux. Ah non, me dis pas c'est écrit en japonais le code. Ok, faut un torchon. Faut un torchon. Ah, peut-être ça se nettoie avec l'extincteur. Mais non, mettez-vous. Ok. J'ai lavé le sang du. Ok, go les poser sur l'horloge. Et en fait, ça va donner le code. Ok. 6, 0. 9, 90, 60. Voilà. Non. Mais j'ai jamais su comment faire ça, là. 90 et après 60. Oh ! Allez. Il nous faut quand même le câble. Oh. Wesh. Ah, merci. Vas-y, referme ça. Oh, la prispérité. Ça, ils peuvent montrer ce qu'ils veulent maintenant. Je serais pas choqué. Quoi, cette vidéo de merde? C'est un challenge. Essayez de ne pas vous faire chier. Exactement. 5 minutes. Exactement, c'est ça. Ice. Rester ici. Non, jure. Mais c'est que maintenant ils s'en rendent compte. Ça après qu'une meuf lui dit je t'aime, arrête frère. Un monstre. Ah elle va être là encore. Eh, le chat, préparez-vous parce que je vais réouvrir la porte. Ah. Allez, salut. Ah non! Oh shit. Le code on fait comment? Il devrait être. Comment? Peut-être c'est le code de l'horloge. On va le chercher. Ah non, il bug. Y'a quoi? Je me suis fait croquer le pied. Ah, t'as pas le droit de partir par là, je crois. Ouais. Ah, c'est l'histoire du mec qui était avant nous. Et là, quoi. En vrai, je savais pas qu'en ouvrant cette porte, ça m'aurait mis un ending. Je l'aurais pas fait sinon. Mais continuez. La fin, tout dernier. Faut tout observer pour savoir c'est quoi le code qu'on va mettre. Oh non, la vidéo elle était grave longue. Ah, peut-être c'était dans la vidéo. 10-23. Quoi 10-23? Oh, la date d'anniversaire. En vrai, si le chat l'avait pas dit, on l'aurait jamais trouvé parce qu'on l'aurait cherché. Le premier code, il nous faut faire en sorte qu'il faut le chercher. Et le deuxième code, ça. Ça... Zor. Zor. J'ai été trop lent. Ok, faut que tu l'attires ailleurs. C'est quoi, je vais lui faire deux tours de ça là. Voilà. Ok, pas mal. Pas mal, ouais, pas mal. C'est bon, go 10-23. Vas-y. J'ai flopé. Mais tu fais quoi? J'ai flopé. Mais ah. Allez.
Wesh, c'est thérapie, prod. Non, va pas. Ouais. Mais du coup, c'était pourquoi le code? Je sais pas, mais peut-être t'aurais dû. C'était. Attends, tu peux plus appuyer sur les boutons? Je vais aller à l'ascenseur tout simplement. Le store là. Ah, c'est ton fils. Elle est chaude part. C'est tout. Attends. Même pas un petit mot d'encouragement là. Oh. Non. Derrière toi, Habiba. Vous êtes con, ma famille. Ok, on a eu la bonne fin. Enfin, non.